Bonsoir à tous et bienvenue sur la Salaison Xenox. Et on se retrouve aujourd'hui pour préparer la Poké Race qui aura lieu la semaine prochaine sur la Soltième. Et on va s'entraîner sur Earth Gold. Pourquoi Earth Gold? Parce que c'est une des deux versions sur lesquelles je vais proposer de faire la race. Que c'est Johto, on a raison de préférer. Et que c'est une version qui est assez peu tournée. Donc l'idée c'est qu'on va essayer d'avancer à notre rythme en prenant du plaisir. Et ensemble. Alors c'était un peu particulier à émuler parce que normalement quand on achetait le jeu on avait à disposition un Pokéwalker comme un petit boîtier en forme de Pokéball qu'on mettait à la ceinture. C'est un podomètre. L'idée c'était de pouvoir avoir une expérience en dehors de la console par le biais de ce petit outil là et ça permettait d'avoir des zones de... Oui je suis vivant, oui Est-ce que tu sais, mon petit Adrien, l'écran, j'ai galéré pour faire cette, ce joli écran, j'ai galéré. Ah là là, ça fait plaisir en tout cas. Attends, voilà. Donc l'idée c'est de la race, c'est d'aller jusqu'au quatrième badge. L'idée c'est de le faire en le moins de temps possible, et si possible, en ayant la meilleure équipe qu'on puisse avoir. Les participants, ils auront du coup soit Earth Gold, soit Soul Silver. Donc forcément, ils n'auront pas les mêmes contraintes, puisqu'on n'aura pas les mêmes exclusivités. Mais c'est justement ça qui fait le bonheur de la run. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de Poké Race. Il y a les Poké Race Hardcore, là où on va utiliser les Randomize et le Nuzlocke. Alors, le Nuzlocke, le principe, c'est qu'on peut capturer que le premier Pokémon qu'on va croiser. Oui, je suis un garçon. Et qu'un Pokémon qui meurt est mort. Il ne sait pas, il ressuscite au centre Pokémon. Il est décédé le mien. Et l'autre règle, donc le randomize, c'est qu'il n'y a plus le zoning des Pokémon. C'est-à-dire que c'est pas dans la première zone je vais croiser des Fouinettes et des Outroot. C'est je vais croiser des Galeking niveau 40. Le seul truc, c'est que voilà, le risque, c'est que je peux essayer de le capturer pour essayer de broquer un peu mon jeu. L'idée restera la même, c'est que si je fais ça, je risque de me faire casser les dents. Et on est en Nuzlocke. Là, c'est soft. Le but, c'est d'initier les gens au race et de pouvoir passer un moment sympa en communauté. Comme dans tous les jeux Pokémon, on a une console Nintendo. Là, c'est la Wii, parce que c'est l'époque de la Wii. Ma brude. J'ai pas compris ce que tu veux me faire dire, Gauthier. Hop, alors faudrait que je puisse accélérer les vitesses des textes. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup en Poké Race. Alors, soit c'est d'accélérer l'émulation, ce qui est pas. Mais oui, ça fait plaisir. Écoute, j'ai enfin récupéré la possibilité de faire des lives. Donc j'en profite. Qu'est-ce que tu penses de ma petite interface avec mon petit Lugia et mon petit Ho? Je me suis un peu cassé la tête pour le faire. Peut-être que comme mon overlay de base est pas super adapté, c'est un peu la galère. Du coup par contre ouais, donc l'accélération de l'émulation ça reste interdit pour les races, il faut qu'on soit à une vitesse de jeu normale. Par contre on a tout à fait le droit d'accélérer les textes et c'est même forcément conseillé parce que les textes de base du jeu sont très très lents. Alors on va mettre vitesse 3, animation de combat on va les mettre parce que c'est quand même plus stylé. On va mettre le choix en style de combat. Alors si le combat choix est défini pour ceux qui jouent pas forcément Pokémon régulièrement, lorsqu'il y aura un Pokémon KO, l'adversaire enverra son... Alors, excusez-moi deux secondes. Lorsqu'il va être KO, il va choisir son nouveau Pokémon. Ils vont me demander si moi je veux changer ou pas. Si on m'est défini, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas changer entre deux trucs. Donc, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire des petits plays. Je peux pas jouer sur les types. On va jouer en choix, ce sera beaucoup plus adapté. Alors, je vais demander une petite minute. Les boutons LA, on s'en fout, on les utilise pas.
et le type de fenêtre, c'est pour changer le visuel des fenêtres. En vrai, si t'en trouves une sympa, celle-là elle est cool. Et j'ai pas confirmé, j'ai fait la beauty. Hop. Voilà. Du coup, ça va déjà être pas mal. On va parler à la dame. Hop, bonjour madame. On va aller voir Professeur Orme. Ça débute vraiment comme le jeu original. C'est dans argent, or et cristal, ça commence exactement de la même façon et ça suit si vous avez eu l'occasion de les croiser en soit dans vos boutiques habituelles, soit en convention, ça suit le manga Pokémon la grande aventure or et argent. Gold suit à peu près le même schéma. Il va pas voir le professeur Orm parce qu'il l'a choisi, mais on voit qu'il y a quelques petits pixels noirs d'émulation. C'est un peu quelqu'un, mais c'est l'émulation de DS, un peu. Voilà. Il va le voir de base, c'est parce qu'il les ennuie avec Silver qui est ici. Bah, on peut pas lui parler, pour l'instant, je connais même pas son nom. Ouais, voilà, pas son nom. Mais on retrouve deux trois petits trucs assez intéressants. Déjà le perso Gold qui est le même que dans le manga. Après, Gold de base a quand même des Pokémon avant même de commencer l'aventure. C'est les Pokémon de sa mère, mais il y a quand même de quoi faire. Petite chose originale de cette version, le Pokémon qu'on a en première place de l'équipe nous suit. Alors c'est toujours sympa, ça ajoute un. Là, c'est un petit côté, c'est tout con, c'est un détail, hein. C'est quelque chose qui a été fait que dans cette version, qu'on croit souvent dans les hacks, et qui je trouve manque dans la version actuelle. C'est un détail sympatoche, quoi. D'administration à gérer. Et je vais juste bouger. J'ai vu que Lugia embêtait un peu le monde là où il était. Je vais essayer de régler le problème avant de continuer. Parce qu'il m'embête là où il est. Il mange un bout de fenêtre. Déjà que mon overlay vous en mange un bout. Voilà. C'est mieux. Est-ce que on va le voir bouger? Nickel, tout est passé totalement à trave. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est. Normalement en race, on n'impose pas les. Comment ça s'appelle ? On impose les starters, pas dans le sens où on va dire arbitrairement toi tu prends tel truc, tu peux prendre tel truc, mais c'est du tirage au sort. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de Pokémon, ils savent très bien que tel starter va avoir un avantage, tel starter aussi. Le fait est que dans celui-là c'est un peu moins le cas dans le sens où la première arène est vol. Donc on peut à peu près s'en sortir avec tout. Même si je dirais qu'il y a un léger avantage de Hurissandre, en sachant que les Pokémon feu qu'on va croiser, ils sont pas. Il y a Démolos qui est assez. Enfin, Malos qui voulait rendre Démolos, du coup, qui est assez sympa, mais qui est pas non plus. Ils ont pas acheté de Pokémon derrière son perso depuis le temps. Et bah non, en fait, le fait qu'il se promène derrière, ça a été enlevé. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une question de mémoire, si ça prenait trop de place au niveau des sprites ou autre. Mais c'est ça a jamais été refait. Hop. Malheureusement c'est sympa. Après, il y a des mèmes qu'on peut trouver sur internet. Il y a des mèmes internet, pardon, où on voit par exemple c'est un dresseur qui rentre avec un Onyx qui le suit, qui rentre en arène et qui arrache la moitié du centre Pokémon, pardon, et qui arrache la moitié du plafond. C'est des mèmes assez drôles, hein, c'est assez bon enfant. Mais ça a jamais été refait. Nous, on va prendre Hurissandre parce que j'ai l'habitude de jouer Hurissandre et que récemment j'ai récupéré une cartouche de cristal. En dehors, je suis en dehors.
J'ai réparé une cartouche de cristal sur lesquelles j'ai pris Rissandre. C'est le starter que choisis. Enfin, que choisis, t'as pas vraiment le choix, mais. C'est un joueur, le starter qu'aura Gold dans le manga. Il a pas vraiment le choix, puisque dans le manga, Silver vole Kaïminus. Et que Germignon, pour une raison qui m'est inconnue, ne bouge pas de sa Pokéball. Et Rissandre est vénère contre la vitre. Dans les Pokéballs du manga, on voit à travers les Pokéballs, on peut voir le Pokémon à l'intérieur. Rissandre est énervé et. Le démontre à Gold, qui se dit que ce serait peut-être pas mal pour que Eritand puisse revoir son pote de bonjour Erewa de combattre avec. Et après voilà, sont suite des petites péripéties avec Silver, et sur ce Eritand deviendra le partenaire de Gold. C'est important le terme partenaire, parce que c'est quand Shane rencontrera. J'ai regardé les dernières saisons de Pokémon. Alors, j'ai pas eu l'occasion de regarder les dernières saisons. Je suis au courant en termes de sortie et de méta à peu près. Parce que je suis sur tous les jeux. Les dernières saisons de l'animé, j'ai pas encore eu le temps de les regarder. C'est. Je suis très en retard sur les animés, malheureusement. Mais on rencontre la pseudo-rivale. De base, on n'avait pas de rivale vraiment dans Aurélie et Argent. À part Silver, là on a Celestia qui fait son café. Mais par contre, j'ai vu le film. Alors, c'est, je sais plus, c'est le 20ème qui est Je te choisis. Vraiment, franchement, pour en avoir vu un paquet, je peux t'en dire ce qu'elle me voulait. Ah, il faut mon Pokématos. Le 20ème, vraiment, vraiment très très bon. Hein. C'est. Ils ont repris des. Certains codes des films d'animation japonaise qui sont sortis assez récemment, et ça marche vraiment super bien. On reprend le petit clin d'œil à O quand au tout début, c'est vraiment sympa. Mais faut que je la regarde. Très franchement, faut que je la regarde. J'ai regardé quelques épisodes de Sun and Moon en animé. J'avais un peu de mal avec Sacha au début, mais Sacha, il est. Alors en vrai, c'est triste parce que. Alors oui, il a changé de style graphique parce que l'équipe d'animation a changé. Par contre. Il est pas si sale que ça, et c'est un peu dommage qu'il était autant critiqué, parce que la série reste assez sympathique. Il est moins sérieux. Il est moins sérieux, mais très franchement, j'ai vu, je crois, les premiers épisodes où il y a Tokoriko, et ça reste assez assez cool. Franchement, ça reste sympa. Après, ça coupe beaucoup avec le jeu, en termes d'histoire, parce que là, ils sont, pour le coup, quand tu dis que c'est devenu des gosses de 8 ans, ouais, t'as clairement raison. Et qui sont tous à l'école. Enfin, ils ont tous une sorte d'école un peu bizarre. Ce qu'on ne voit pas dans le jeu, puisque c'est des mecs, c'est des dresseurs, ils font passer des épreuves, c'est des gars qui sont reconnus sur l'île, quoi. Du coup, là, ce que je viens de faire, j'ai récupéré le Pokématos. Le Pokématos, c'est une option un peu c'est unique aux éditions de Johto. Ça, c'est une sorte de smartphone. J'ai pas regardé Pokémon depuis. Il était très chier de temps. Le truc, c'est qu'il y a plus d'une vingtaine de saisons, c'est énorme. L'anime a pas mal évolué, il y a des trucs vachement cool, hein, mais ça prend un temps monstrueux à regarder, quoi. Donc le Pokématos, c'est un peu l'iPhone de Johto. Il y a le téléphone. Alors le téléphone, ça va servir à quoi? Ça va nous servir. Les dresseurs peuvent nous rappeler, en fait. C'est-à-dire que si je mets une tôle à Scout Jean-Guy sur la route 8, il prend mon numéro. Et sur Google. Ouais, mais elle tournait un pas mal sur 9gag à une époque, cette photo. Donc le scout Jean-Guy peut me rappeler pour me dire, ouais, je veux une revanche, ou est-ce que t'as vu qu'il y avait un troupeau de tel Pokémon sur telle route, enfin bref, donner des infos. C'est là aussi qu'on aura, hop, c'est pour changer le fond, hein, on va prendre le fond prestige. Et il y aura d'autres options qui vont se rajouter, la carte notamment, c'est là où elle va être. Le Pokémon Zoo, c'est un peu, ouais, c'est une fusion de plusieurs objets rares qui va nous faire un peu de place. Je sais pas la suite, ce qui se passe. J'avoue que même sur le jeu, c'est un peu compliqué à suivre. Le plus facile pour suivre les changements du jeu, c'est de faire de la strat. J'en ai fait beaucoup à une époque sur Smogon. Enfin, sur Pokémon Showdown, qui est distribué par Smogon. J'ai fait top 2 ou 300, hein, je crois. Je sais que j'ai fait top 100 en OU pendant un mois et demi. Mais je jouais pendant certains cours. Hein. Mais c'est pas difficile. Franchement, déjà le mineur, je n'ai pas un film. Ouais, c'est. Alors.
je vais faire une team qui n'est pas du tout strat, mais qui est une team nostalgie. Donc je vais essayer de choper l'Ultus. Ah mais faut pas se dire qu'on va plus regarder, il faut se faire plaisir. Hop, on va lui mettre des petits mignons. Alors pourquoi je veux choper Ultus? Juste parce que j'adore Morfang, il va falloir un Pokémon vol. Je vais essayer de jouer un maximum avec des Pokémon Kanto et Johto. Attendez. Je viens de réfléchir à un truc idiot, c'est que je n'ai pas de Pokéball en fait. Donc je vais pas capturer grand chose. Hop. Donc comme je disais, je vais. Moi j'ai regardé 8 épisodes, j'arrête. Ah mais c'est grave long, puis la qualité d'animation. Ah, j'ai beaucoup d'affection pour les épisodes de Johto, les îles oranges, mais. Pff, là c'est trop. Là, trop vieilli. Donc je vais essayer de me cantonner aux Pokémon de première et deuxième génération. Comme si je jouais à Or, mais avec des graphismes un peu mieux. Donc je vais essayer de choper Oud pour avoir un Pokémon avec vol assez tôt. Et parce que ça fait un Noirfang, bah c'est dommage que t'aies jamais joué Adriel, parce que t'as des. En strat t'as des trucs super intéressants et beaucoup plus complexes que tu pourrais penser. J'avoue. Moi je sais que là où j'ai le plus joué, bah après j'ai beaucoup joué sur DS aussi, mais là où j'ai vraiment le plus accroché en termes de strat, c'était sur Showdown. Showdown, ça a quand même l'avantage de pouvoir faire n'importe quelle scène stratégique en 4 secondes. Ce qu'on n'a pas forcément sur. Est-ce que je peux le combattre lui? Ce qu'on n'a pas forcément sur. Sur les versions cartouches qui se trouvent où ça va être plus long quoi. Alors là l'idée c'est de. On va aller jusqu'à chez Monsieur Pokémon pour récupérer l'œuf mystérieux. Comme dans la version originale. Alors que rien du tout en fait. Dans l'anime on a cette question d'œuf mystérieux aussi. Ce qui est assez surprenant et c'est un des paradoxes qui a été soulevé dans le jeu. On a cet œuf mystérieux qui est un œuf de Pokémon, hein, on le sait tous. L'idée c'est que à ce moment-là, et dans le manga c'est la même chose, personne ne sait comment naissent les Pokémon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est des mammifères, si c'est des ovipares, enfin on ne sait pas tout ça. Ce qui est assez con quand on sait que le. Il faut que je règle ce problème d'émulation de points noirs chelous là. Et c'est vraiment sale. Ça fait que avec l'herbe. Ah ça fait l'intersection des. Ok d'accord, je vois. Ouais, à ce moment-là, personne ne sait comment sont nés ces Pokémon, alors que le mec de la pension nous donne quand même des œufs. À ce moment-là, il y a quand même un petit. On dit que les scientifiques du pays ils sont quand même moins avancés que le pécor qui élève des chameaux dans une cage, en vrai. Je vais me prendre une sauce, donc je vais aller gentiment jusqu'à la ville d'après, on pexera un peu plus loin. Hop. Donc le but c'est d'aller chercher l'œuf de Togepi du coup pour le ramener à Orm absolument comme dans les premières versions. Là on peut voir en plus comme je disais tout à l'heure, on a mon hérisson qui me suit, je peux lui parler. Il y a son humeur donc je peux voir s'il est amical avec moi. Je peux voir si c'est une sale race, enfin je peux voir tout ça. Ce qui est pas mal parce que. Alors truc rigolo, on avait le bonheur c'est une notion qui arrive dans les jeux Pokémon avec Johto. Grave, c'est grave sympa à faire et surtout moi j'aime bien le faire avec des potes ça. Et genre chacun se donne un handicap différent. Pour ceux qui connaissent pas le Little Cup, alors le U c'est de l'underused, donc c'est une catégorie un peu large de Pokémon, donc on a des. En gros dans Pokémon on a des tiers. Le fait est que l'underused c'est un tiers où il y a quand même beaucoup plus de Pokémon que dans l'overused qui est le tiers majoritaire et le Little Cup c'est alors je dis pas d'ici c'est soit que des Pokémon de moins d'un mètre comme un 1m10 je sais plus la taille exactement mais on doit se référer à cette limite de taille là qui fait que la plupart du temps c'est soit des enfin c'est quasiment tout le temps des Pokémon qui sont pas finis d'évoluer ou trucs comme ça c'est ça donne des strates intéressantes on peut alors je crois que le Vénard il est trop grand il doit faire 1m10 mais il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec des évolurocs notamment
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un mètre. Mais du coup, moi j'aime bien le faire avec des. Tu prends un poste, puis on a des contraintes différentes. Genre, il y en a un qui veut utiliser que des Pokémon de, je sais pas, plus de 100 kilos, l'autre que des Pokémon. Du coup, notre herbe, notre race. Hein. Que des Pokémon à moins d'un mètre 20 ou tout comme ça. C'est franchement assez sympa. Mais du coup, ce que je disais, le bonheur c'est une notion. Alors là, on va lui refaire sa visite, comme ça il va me. Je sais qu'il va me donner la carte. Hop, ah, c'est. On est. Donc là, c'est obligatoire dans celui-là, d'accord. Dans Cristal, hors argent Cristal, la visite n'est pas obligatoire. C'est, il nous propose de la faire et si on veut pas la faire, on la fait pas. Et on n'a pas la carte. Qui faisait le tour de la ville. Oui, bah. En soi, pour les néophytes, c'est pas mal. Pour une race, c'est ultra chiant. Parce que du coup, bah on perd du temps quoi. Je me suis perdu dans ce que je disais du coup. Merde, je disais. Ah. Le bonheur, ouais, le bonheur c'est arrivé en speedrun, oui. Après là c'est juste pour de la race, c'est même pas du speedrun, mais en race les gens ils sont un peu préparés, ils ont fait 2-3 fois le jeu. Enfin, du coup l'idée c'est le bonheur est arrivé sur or et argent, mais sur jaune on avait déjà cette idée comment ça s'appelle. On avait déjà cette idée de bonheur juste avec le Pikachu avec lequel on pouvait communiquer et voir un peu son humeur. On reprend ça et je trouve ça bien qu'ils aient remis justement ce Pokémon qui suivent dans HG et SS. Parce que c'est du retour-retour, c'est totalement logique et ça aurait dû même être le cas dans les premiers. Que le jeu où le bonheur apparaisse, tu aies justement cette notion. De bonheur. Après, je pense que ça ajouterait vraiment un truc. Ils ont voulu s'échapper un peu plus du combat dans les dernières versions en montrant. Vous voyez, il y a aussi. En 3ème G, il y avait les concours, il y a les Battle Royale, il y a beaucoup de trucs. Et en enlevant les CS aussi, même en faisant Ranger et tout comme ça, ils ont essayé d'enlever le côté bête de guerre. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont un peu obscurci, enfin ils ont un peu omis une chose, c'est que dans l'animé, Pierre il est pas que maître d'arène, il est éleveur. Et tous ses côtés d'élevage, à part par les œufs, il n'existe plus. Alors, il y a des techniques d'élevage qui apparaissent pour les œufs, mais c'est tout quoi. Il y a que avoir le Pokémon qui suit ou pouvoir avoir ses Pokémon dans un enclos ou un truc comme ça. C'est vachement sympa dans le sens où ça permettrait vraiment de rendre un côté plus pas émotionnel mais humain au jeu. Et je sais pas, j'aime bien le fait de pouvoir aller voir mon petit Irisandre et de pouvoir lui parler. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il va me donner ma carte, c'est ça? Voilà, le coupon carte. C'est comme une carte Google Play mais pour le Pokématos. Même principe. Hop. Alors on va monter gentiment jusqu'à chez Monsieur Pokémon. On va ramasser la potion, ça peut toujours servir. On peut le combattre là encore. Alors j'ai les chaussures de sport, mais alors, je vais mettre en pause 2 secondes. Je vais essayer de. Ça va être le bouton B, si je dis pas de bêtises. Nickel, maintenant je peux courir. Je joue pas à la manette, du coup il me fallait un raccourci, du coup j'ai mis sur mon bouton souris. Pourquoi? Question c'est la Soul Silver, Earth Gold, ou tu joues avec la Atrome Crystal? Je joue à. Pour l'instant c'est Earth Gold pour préparer le. Pourquoi Earth Gold? Parce que j'avais Soul Silver, tout simplement. Donc ça me permet de changer. Et c'est pour préparer la race qui aura lieu sur la Soul Team. Concernant. Alors, si je vais laisser Adriel, depuis peu, même tout le monde a accès au Karak. Alors attends, faut que je regarde. Ouais, tu peux changer toi. Ah non, on peut plus. À une période, je sais qu'on j'avais vu qu'on pouvait, mais ils n'ont plus. Malheureusement, je peux pas changer tout de suite pour le stream, désolé. Mais Mind Crystal, je la ferai en live. Là, c'est vraiment histoire de préparer la race et de passer un moment. J'ai récupéré mon PC hier.
Et vraiment histoire de faire un live et de pouvoir, pouvoir jouer un petit peu. C'était soit ça, soit jouer tout seul dans mon lit avec ma version de cartouche cristal, donc autant en profiter. Je vais peut-être faire un. À l'occasion, je vais peut-être faire un live sur Clover, donc qui est la version totalement hardcore de 4chan, où on a des Pokémon totalement délirants, sur des allusions sexuelles, sur. Comment ça s'appelle ? Sur les nazis, enfin c'est un peu. Moi j'ai franchement j'ai beaucoup aimé le jeu, c'était vraiment sympa. Mais surtout le jeu est plus dur que l'original. Là honnêtement je me promène hein, il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais j'aime bien, ça donne un côté nostalgie. Surtout que je suis vraiment un partisan du Johto. Pour moi ça va être. C'est la meilleure génération. Après il faut savoir un truc, c'est que la deuxième génération a été créée en même temps que la première. C'est-à-dire que si. Si les cartouches de Game Boy Color avaient été plus grandes, on n'aurait jamais eu de deuxième jeu en fait. On aurait eu plus de 251. Encore une fois, c'est. Je pense que c'est surtout des limitations techniques. Mais c'est. Enfin. Moi j'arrive pas à voir un. J'ai vu. Alors j'ai un peu de mal avec Kanto. Johto pour moi c'est vraiment une vraiment à part dans le sens où je vois pas de graphique particulière dans Johto. Et en plus dans les jeux de Johto on pouvait aller à Kanto de toute façon. Et ça a vraiment ajouté des trucs vraiment intéressants, genre l'arrivée du type acier, l'arrivée du type ténèbres, plein de trucs assez sympas comme ça. Ça marche. Donc ça. Ça a ajouté pas mal de trucs intéressants comme ça. Et je me suis perdu dans ce que je disais. Puis il y a une touche un peu plus japonaise dans celui-là. C'est-à-dire que même si Kanto est vraiment inspiré de la préfecture, enfin, de la région de Kanto, le Johto a vraiment. On le voit avec Acier, Ténèbres, c'est ça. A vraiment amené. On voit avec la touche Tiflore, avec. Avec même les vides bannières, enfin ils sont vraiment plus typés japonais et c'est ça que j'aime bien. En soi, les premiers jeux en termes de zone étaient plus les jeux européens. Il y a des choses qui ont été européanisées, pour nos versions à nous. Et c'est tout ce que je trouve vachement dommage parce que de base, je comprends pas l'idée d'essayer d'éclipser même dans les jeux récents. Hein. D'éclipser le côté japonais, et je pense que c'est un truc qui marche beaucoup dans le concurrent direct de Pokémon qui est Yo-Kai. Yo-Kai, ils cachent pas du tout leur influence japonaise, et au contraire, ils en font une force. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Pour moi, il faut. Enfin, pour moi, c'est normal d'arriver dans une maison dans Pokémon et qu'il y ait un Kotatsu, ou qu'il y ait des maisons un peu plus stylisées, ou. Enfin, je sais pas, j'aurais bien aimé ça. Surtout que maintenant avec le. Après c'est mes espoirs pour moi pour le RPG sur Switch qui va être annoncé dans l'année, mais j'ai vraiment espoir d'un. Comment ça s'appelle ? D'un. On voit que le professeur Shen qui me donne son Pokémon. J'ai vraiment espoir d'un jour d'avoir un. Vraiment une vraie ville. Pas forcément labyrinthique, mais. Ah, je peux lock. Ah nickel. Ah, même plus besoin de la deuxième main. Je peux lock. Ah ouais, voyons on voit que vous pouvez. On peut lock le. Non, j'aimerais. Ouais, j'ai décidé en fait. J'aimerais bien justement avoir plus ce côté. Réaliste en fait sur un Switch. Parce que franchement, c'est dommage. Hein. C'est. Avoir des. Enfin, c'est ce qui a fait beaucoup de mal à l'époque de. Noir et blanc, la 5ème et même pendant XY, la 6ème génération. C'était trop renommant. Avec Ultra. Enfin, avec. Soleil, Lune, Ultra Lune, Ultra Soleil, on a plus quelque chose d'intéressant. Alors c'est possible, j'ai vu qu'ils avaient une scène colossale, par contre je me rappelle absolument plus de la date de l'E3. J'en ai discuté avec 2-3 potes, et Survey s'est sorti aussi. Faut penser à une chose, c'est en gros il a été pré-annoncé pour décembre.
sur les sites comme Amazon, Micromania, etc., c'est décembre. La plupart du temps, ils sont annoncés 3 à 4 mois avant les jeux. Donc en partant de ce principe, et j'ai beaucoup de potes qui pensent qu'ils sortiront en octobre, septembre, octobre. Honnêtement, moi je vois bien une annonce justement en juin, parce qu'il faut penser à une chose, c'est que c'est pas comme l'annonce d'Ultra Soleil ou d'Ultra Lune, et d'Ultra Lune où c'est une console qui est déjà avec un gros parc, etc. S'il va falloir convaincre les gens sur Switch, le truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, bon, tous ceux qui sont... Ouais, c'est sorti en novembre, mais ça avait été annoncé en juillet, je crois. Il y a beaucoup donc de jeunes, il y a deux types de joueurs, de toute façon sur Pokémon, c'est soit les joueurs stratégie et nostalgie, qui vont être des joueurs plus âgés, et là le passage sur Switch ne m'inquiète pas trop. Mais il y a aussi un bon pool de joueurs qui est vachement plus jeune, qui s'intéresse à la série par le biais de l'animé et des cartes, et c'est problématique pour moi parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont récalcitrants en fait d'acheter une Switch à leurs enfants parce que la console est beaucoup plus fragile qu'une DS, que la plupart ils n'arrivent pas à capter que c'est une console portable à part entière, et pour plein d'autres raisons. La musique du jeu, okay, attendez, je sais pas. Voilà, normalement je l'ai baissé. Donc tu me diras ce que t'en penses si tu veux que je baisse encore, mais normalement ça devrait être pas mal. Du coup voilà, je m'inquiète un peu sur le passage sur Switch, dans le sens où ça reste oula, je vous ai pas suivi en temps, patron. C'est dommage de ta part Nintendo d'avoir ignoré l'évolution d'âge de la fanbase. Alors oui, c'est dommage. Après. Comment dire, c'est ce qui fait la longévité du jeu en fait. Oui, c'est dommage parce qu'on n'a pas des jeux. On a des jeux qui restent très colorés, très enfantins. Après, on avait eu à l'époque. Il reste sur des cibles très jeunes, ouais, clairement. On avait eu des jeux comme Colosseum et Le Soufflet des Ténèbres XD, là, sur GameCube à l'époque, qui étaient beaucoup plus sombres, mais le problème, c'est justement que c'est quelque chose qui est arrivé trop tôt. Quand ils ont fait ça, la licence. Justement, on était pas mal, mais moi par exemple j'avais je devais avoir 10 ans je crois quand Colosseum ou XD sont sortis et Pokémon Snap ça va pas mal exactement donc je devais avoir 10 ans à peu près quand c'est sorti, et le fait est que j'avais pas forcément envie de à l'époque je sais pas si ça me ciblait vraiment un jeu plus sombre, un truc comme ça, et du coup pour moi c'est sorti trop tôt. Là il sortirait un jeu plus sombre, ce serait vraiment pas mal. Après, il faut garder à l'idée que la longévité de Pokémon est due au fait qu'ils ont toujours eu un cœur de cible assez jeune. C'est ce qui renouvelle la fanbase et ce qui fait qu'il n'y a jamais eu une baisse du nombre de fans. Et il a soit été stable, soit il a été en augmentation. Il y a peut-être eu un petit creux au moment de Noir et Blanc ou un truc comme ça. Mais toujours étant que c'est en gardant ça qu'ils ont réussi à conserver une grosse fanbase. C'est à la fois un problème et à la fois je pense que c'était à moitié nécessaire pour eux pour survivre. Pour ceux qui ont joué aux premières versions Johto, on reconnaît, avec des sprites tout neufs, mais on reconnaît les deux gamins qui se combattent là, c'est exactement comme dans les premiers jeux. Donc après voilà, j'ai bon espoir. Je sais qu'il y avait il y avait des choses qui ont été testées avec Révolution à l'époque, sur Wii, où on avait de la connectivité entre les deux. Et on avait. C'est vrai que du coup, ils s'imposent en standard, les anciens deviennent parents et ils retrouvent une valeur sûre depuis. Exactement. Mais leur but, c'est pas d'évoluer avec la fanbase, c'est de faire évoluer la fanbase. Pour eux, l'idée, c'est que ça se renouvelle. C'est si tu suis la fanbase, il y a un moment où la fanbase, elle va être trop âgée et tu vas devoir reconquérir une nouvelle fanbase et ça va être la merde. Alors que si t'es une fanbase. Qui est toujours à peu près dans les mêmes tranches d'âge, elle s'élargit en fait, si tu veux. Elle se restreint pas, mais elle s'élargit. C'est vrai que c'est un peu dommage pour les fans un peu plus âgés, mais tu pouvais jouer au jeu GameCube, il me semble, entre le jeu console portable et le console. Ouais, tu pouvais brancher ta Game Boy Advance à l'époque et la SP avec ta GameCube pour y jouer. Après, ça a toujours été assez restreint en termes d'utilité, on n'a jamais eu vraiment d'avantage à le faire et.
et en termes de gameplay, les rares jeux qui sont sortis sur console, ils étaient assez mous, quoi. Ah, j'ai même pas fait gaffe, on était contre Silver. C'est bien, enfin, c'était intéressant ce système-là, mais ça demandait... les combats sur console étaient très longs. Beaucoup moins rapides que sur console portable. Moi, je sais que j'ai joué... j'avais emprunté à un pote, là, sa GameCube, et j'avais joué à... je crois que c'est Colosseum que j'avais fait, moi. Les combats étaient longs à mort, quoi. C'était super long. Donc, du coup, et ça, c'était moins dynamique, c'était très mou. C'était trop long. Enfin, chaque combat était trop long. T'avais pas l'impression d'avancer, et tu jouais 2 heures, t'avais fait 100 mètres, quoi. Donc, du coup, c'est... Ça, c'est un peu dommage. Mais, je pense qu'il y aurait moyen... Enfin... C'est un peu un coup de poker qu'ils vont faire, c'est-à-dire que si le passage sur Switch, ils font un truc propre, la série évoluera bien. Le problème qu'ils avaient sur 3DS, et ça se voit beaucoup sur Lune et Soleil, et Ultra Lune et Ultra Soleil, c'est que la 3DS rame. Elle est pas faite pour faire carburer ce jeu, et du coup, elle rame à mort, quoi. Sur des combats, de son global, ça se voit moyennement. Mais dès qu'on va être sur un combat à 2 contre 2 ou sur une grosse attaque, sur une grosse capacité d'être comme ça, elle est sur les genoux. L'animation est lente, il y a des ralentissements comme jamais, on tourne à 10 FPS, enfin c'est infernal. Enfin, c'est que ça se voyait un peu moins sur les DS XL parce qu'ils avaient remis un peu de puissance, mais ils pourront pas aller plus loin que ça, quoi. Ils ont déjà atteint les limites. Alors il y avait Pokémon Channel, je sais qu'il y en parlait un petit peu, mais c'était très succinct. Il n'y a pas de jeu officiel qui s'y intéresse vraiment, et c'est dommage. Après, t'as des jeux annexes à la série, qui ont rien à voir avec de l'élevage, mais qui étaient assez sympas. Les Pokémon Pinball, il y en avait un qui était sorti à l'époque sur Game Boy, il y en avait un qui était sorti sur Game Boy Advance avec Ruby et Saphir, qui était ultra cool. Je sais que moi j'ai passé des heures sur ce jeu-là, en plus je l'avais reçu, je me rappelle j'étais malade, donc je l'ai poncé dès que je l'ai eu. Il y a eu Pokémon Shuffle qui a pas mal marché, il y a comment ça s'appelle, Rumble, c'était un peu particulier mais c'était toujours sympa. Le jeu de cartes, grave, c'était un peu particulier sur console, mais sur PC il marche bien, il est gratuit en plus, allez jouer. Mais il y avait pas mal de validés. Pokémon Snap c'était super sympa. Là on était encore, là c'était intéressant pour le coup. Snap voyez, et c'est ça que je pense qui est intéressant. Moi Team Yu-Gi-Oh! Gauthier, tu me connais, hein. Je ferai un live je pense demain sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'il faut que je mette à jour mon deck pour... faut que je fasse une preview de mon prochain deck pour les régionales de l'année prochaine. Donc c'est... Faut que je travaille ça, bref. Revenons à nos moutons. Nos what. Non mais tous les jeux sont cool de toute façon, les jeux de cartes c'est la vie. Merde, je sais plus ce que je disais du coup. Bien, c'est pas grave. Ouais, c'est un truc que je trouvais très intéressant de voir d'autres aspects de l'univers Pokémon, pas que les combats. Le Snap, là où c'était intéressant, c'est qu'on voyait vraiment l'aspect naturaliste aller découvrir des espèces, les mettre en valeur, etc. J'aimais beaucoup cette idée-là. Malheureusement, donc là on va nous parler du coup du vol de Kaiminus par Silver, où on va nous charger d'aller mettre un grain de sel. Célesta, c'est un peu la Bianca de HeartGold, elle va prendre le starter qui est fait par rapport à nous. Donc là ils vont demander son nom, comme je suis un fanboy, je réponds pas, comme ça j'ai son nom original. Ah, et là c'est intéressant, parce que du coup ils lui ont pas donné le nom de Silver, ils l'ont donné le nom de Soul. Alors moi je refuse, je veux qu'il s'appelle Silver. Sinon, c'est blasphématoire. Tu t'appelleras Silver. Ouf. Mais ça restait très sympathique, hein. Clairement. Enfin, c'est Snap, c'est... Je pense, il y a beaucoup de fans qui aimeraient un Snap sur Switch. Toujours étant que si ils arrivent à faire un truc propre sur Switch, il y a moyen que la série s'en retrouve grandie et voit une vraie évolution. Peut-être vouloir faire le gel. Ah mais tu dis ça pour Paradise du coup.
Donc voilà, là on récupère l'œuf, enfin on donne l'œuf mystère au professeur Orm. Alors si c'est comme dans Or Argent Cristal, on va aller jusqu'à la tour chez Tiflor, on va battre la reine et ensuite on aura en sortant de la reine l'appel du professeur Orm nous disant qu'il faut récupérer l'œuf et que pour qu'il éclose, il ait besoin d'être avec des Pokémon actifs autour de lui et pour lui donner une sorte de dynamisme si vous voulez. Et là, l'assistant du professeur Orm devrait nous remettre l'œuf. Mais je sais pas exactement à quel point, je me rappelle pas, à quel point ça suit le... Moi, souvent, je mettais le nom de mes potes. Ça m'amusait de leur mettre des taux là, pour longueur de journée. Et quand on jouait entre nous, quand on se faisait des soirées entre potes et qu'on se faisait des combats en Link, ça m'amusait de leur mettre des taux comme dans l'histoire. J'étais habitué, j'avais ma routine. truc qui il me semble n'est pas le cas dans celui-là, mais on va vite le savoir. Je sais que dans Soul Silver, dans Silver et Gold classique, elle le fait là. Notre maman reçoit une partie de l'argent qu'on gagne et l'économise. Pour moi, je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. Alors chose que les. Ouais, mais après c'est. Moi, je sais pas toi, moi, j'étais un arnaqueur, hein, c'est... Je me débrouille... Oh, merde. J'ai fait une safe state. Oups. Je me débrouillais toujours pour parier des trucs, genre... celui qui perd, il file son principal, ou parier un Pokémon, enfin, des trucs comme ça, et... Tu te débrouilles toujours pour tricher, ou... Bon, là, on va combattre Celesta, mais ça va être absolument... Ah, elle a un baril. Ah, elle va nous apprendre à capturer des Pokémon. Comme si j'étais assez débile pour ne pas savoir. Allez, madame. Regarde. Il faut lancer la Pokémon, la Pokéball contre le Pokémon. Chose intéressante dans le manga. On le verra plus tard, on rencontrera Fargas. Fargas, qui est un fabricant de Pokémon artisanal. Grave. Non, même pas, parce que j'étais malin. Grâce à lui, on capture un Rattata. J'ai vu ce que je disais, du coup. Oui, donc Fargas, Silver explique à Gold que c'est pas si facile que ça de... j'avoue, le Rattata de merde. De capturer et qu'au final il faut vraiment toucher à une certaine zone d'une certaine façon, etc. Par exemple, pour un Ursa Ring, il faut taper dans l'anneau sur son ventre. J'aime bien cette idée qu'il y ait une un peu de challenge pour faire une capture, quoi. J'aimerais bien un truc comme ça. J'avoue, mais elle tue la meuf. Franchement, meilleure capture de légendaire ever. C'est pas un légendaire qui pèse, il est pas en Uber, mais elle pèse, de ouf. J'aurais bien aimé justement un truc un peu à la Pokémon Ranger, vraiment une sorte d'épreuve pour capturer, ça aurait été vraiment sympa. Est-ce que j'ai pour accueillir... Alors, j'ai même pas rien vu, ça m'avait donné des Pokéballs. Du coup, faire la Ligue. J'ai une petite anecdote sur la Ligue, j'étais chez mon oncle. Je sais pas pourquoi, je m'étais amusé à farmer un putain d'Azuril niveau 99. Alors qu'Azuril évolue par le bonheur, hein. Je sais pas. J'ai absolument pas essayé de le capturer, je l'ai salement saucé. Est-ce que j'ai des Pokéballs? J'ai 5 Pokéballs, bon ça devrait faire l'affaire. Je serai un sac à merde, je ferai une safe state jusqu'à capturer du premier coup. Mais non. Alors, tac tac, le out-out, un out-out mâle. On va faire une équipe de full mâle. De la parité la plus totale. Allez, hop! Bah ouais, malheureusement ça se résume. Bah ils ont essayé de faire ça un peu dans Sun and Moon. C'est plus des combats d'arène maintenant, c'est des sortes d'épreuves qui résument plus ou moins quand même toujours à un combat si tu veux, mais t'as une sorte d'épreuve et c'est pas mal. Ils ont essayé de faire le truc avec l'appareil photo aussi, mais c'est bien de la merde. En fait t'as très très peu d'endroits où tu peux en prendre. Plus la merde ce que je suis en train de faire. T'as très très peu d'endroits où tu peux en prendre et pour arriver. Déjà, en plus, c'est très peu intéressant, franchement. C'est une sorte de sous-snap.
Je vais me soigner en premier lieu parce que sinon, si je meurs là, je vais pas être content. Ah non, mais niveau stats, c'est un pavé, on est d'accord. Là, c'est une team nostalgique que je fais. C'est un pavé, c'est juste que je l'adore. Premier shiny à apparaître dans l'animé en plus. Sacha, gros chanceux qui capture 4 Pokémon par an et qui a fini par choper un shiny. Mais ouais, clairement, c'est une brique. D'ailleurs, on va l'appeler comme ça, hein. On va l'appeler Parpin. Hein. Non, mais l'idée, c'est juste que je l'aime bien. J'aurais bien voulu un Fouinet pour faire un Fouinard, mais vraiment, Fouinard, pour le coup, je vais vraiment pas savoir quoi en faire. Parce qu'avec Morphang, il a quand même un move pool, je peux peut-être essayer de faire des choses à base de Psygi ou des trucs comme ça. J'aurais pu faire un Mentali aussi. Mais je pourrais essayer d'en faire quelque chose là où je suis pas certain de pouvoir faire quelque chose d'un Fouinard. Donner un surnom ou tout. Parpin. Hop. Voilà! Break the wall. Pour moi, il est pas shiny. Parce que shiny, normalement, c'est de naissance. Lui, c'est de l'adaptation. En fait, pour moi, c'est presque une forme régionale. Genre une version Alola, si tu veux. Il est devenu comme ça grâce à sa nourriture. Tu lui donnerais que du pastis, bah, il sentirait l'anis, quoi. Pour moi, ça peut pas considérer comme un chat, comme un shiny, quoi. Ratata. J'hésite à farmer un petit peu out ici. Après, de toute façon, je pourrais toujours le farmer dans la tour chez Tiflor. Puis après, j'aurais pu. Je sais que normalement, il y a des Roucool plus loin. Mais pareil, Roucarnage, il est pas intéressant en termes de move pool, il est pas intéressant en termes de tir. Enfin, il est intéressant en termes de nostalgie, mais pour le coup, Norfang reste plus intéressant. Quoi. Puis il est stylé. Je suis désolé, mais Roucarnage sera toujours moins stylé. Que Noirfang. T'en appelles un manuel en référence au Mexique. Non, mais j'ai déjà un nom pour le prochain, mais je veux pas le révéler tout de suite. De toute façon, je vais spoiler, hein. Je vais chercher à choper un Marest, enfin un Axolot là, pour faire un Marest. Je vais pour avoir un, parce qu'il a un bon double type et que c'est un de mes Pokémon préférés avec Brivern. Et je vais essayer de choper. De base, en cristal, je fais Axe Auto. Ouais. Je vais faire un ectoplasma, mais avoir un ectoplasma. What the fuck? Bug graphique! Oh, ça y est, c'est réglé. Je sais pas si vous allez voir, c'était. Ah putain, c'est n'importe quoi. Mon émulation, elle est partie en couille de ouf. Je le rappelle, les gens émulés c'est bien, mais il faut avoir les cartouches en physique. Hein. Bien sûr, tous les jeux que j'émule sont chez moi. Je les ai payés, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, c'est illégal. Et l'illégalité, c'est mal. Putain, ouais, elle m'a fait flipper mon émulation. Donc je vais faire un Marest. Je vais faire un. J'aimerais bien faire un Nidoqueen, mais je pourrais pas en faire un avant d'atterrir à Kanto, donc ça va être la merde. Je vais probablement faire un Steelix, mais c'est pareil. En fait, le problème, c'est que Ectoplasma et Steelix sont dans ma team Cristal. Faire un Noir Sang, Glamder, Antibrume, Atterrissage. Antibrume, pas forcément, parce que je pense pas en avoir l'utilité contre l'ordi. Mais allez, Parpin. Mais ça pourrait être l'idée, quoi. On va le faire au feeling, hein, très franchement. Là, on n'est pas dans de la strat. Oh, quel tas de merde! Sérieux? Je sais plus ce que je disais du coup. L'anime n'est pas piège de rock ou plus que tu dises. J'essaierai de choper un ectoplasma à la tour Chetiflore, un Fantominus et un. Et de choper. Si j'arrive à choper un Chetiflore, le truc, je crois que Chetiflore il n'y est pas dans Earth Gold. Je vais vérifier. Je vais très très niquer si c'est le cas. Parce que j'avais voulu choper un Chetiflore pour la bonne et simple raison qu'il y a un échange dans le jeu à faire. Un Chetiflore contre un Onix. Le Onix m'a pas dit de faire un Steelix. Les deux problèmes que je vais avoir, c'est je ne peux pas échanger. Ce que je vais être obligé de faire, c'est d'utiliser un Pokésav. Ce qui est moyennement grave, on va pas se mentir. Mais bon. J'aurais préféré éviter quoi, mais pour le besoin du live, on va être obligé de le faire. Je
vais aller vérifier si c'est bien une exclu. Ouais, mais j'aurais pas le choix de toute façon de la bidouiller. Hein. Ah! Oh mec, il a survécu! Parpaing a survécu au poison! Go prendre un Karatroc. Non! Je l'aime pas, Karatroc. Il a des grosses stats défensives, mais c'est de la merde. Non, j'étais sur la bonne page! Voilà. Les introuvables, les introuvables. Alors, est-ce que je suis niqué ou pas? Ben, a priori, non. Hein. Les exclusifs, ils sont où? Ok, bah, j'ai dit à chaque version. Voilà, on va savoir si je suis niqué. Écoute, non. Les seuls que j'ai en exclusif m'intéressent pas. Kabutop, ça aurait pu être cool, mais non. On va pas être trop handicapé par les. Par ça. Les échanges internes, par contre, ça m'intéresse. Voilà, c'est ça. C'est, je suis bien chez Tiflor contre Onyx. Après. Après, je sais pas ce qu'on fera. Parce qu'il va me. Enfin, en termes de type, je serais déjà pas si mal que ça. J'irai un peu au feeling, je pense. Je veux pas de légendaire. Je mettrais peut-être le. En vrai, j'hésite à ne pas mettre ma reste et à prendre le Léviathan rouge. Pour le lol. En sachant que de toute façon, je peux très bien choper un mini Draco assez facilement. Donc j'aurais peut-être plutôt fait un Dracolos, mais. Ou un Tyrann aussi pour la nostalgie. Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Hop. Ce qui pourrait être sympa, c'est que. À montrer. Ça soit que j'utilise le PokéSave donc pour bidouiller la cartouche, enfin la mémoire une fois que j'aurai fini l'aventure en live, pour vous montrer les événements internes au jeu. C'est-à-dire l'événement avec Giovanni et Celebi, l'événement avec Arceus et la naissance d'un légendaire. Tout ça c'est des choses que je peux montrer en intégrant certains events au jeu, mais faut que je regarde comment je peux le faire et si ça passe. Mais si ça passe, je le ferai avec plaisir. Et honnêtement, je pense que ça se fera sans grand problème. On va passer Oud devant. Enfin, Parpaing. Et je vais le soigner aussi. Comme ça, je vais pouvoir le pex un peu. Parce que sinon, il va arriver dans la zone d'après. Il va être totalement tout ken. Et surtout, j'aimerais pouvoir que Parpaing il soit compétitif pour arriver à la tour chez Tiflor. Pour qu'on puisse le pex dans la tour chez Tiflor. Parce que là où Erisandre, que j'ai pas renommé. Et malheur sur moi, je l'ai pas renommé. Là où Erisandre. Pourra très facilement Pex un peu partout. Oud pour moi ça va être un peu un calvaire à Pex. Surtout que j'ai pas de multi-ex et que je sais pas où on le récupère. Yeah, Parpaing! Parpaing charge! Parpaing lance brique. Donc l'idée ça serait d'arriver. Je sais même plus à quel niveau il évolue Parpaing. Parpaing. Allez, ouvre-toi. Parpaing évolue au niveau 20. Mais enfin, je regarde, j'aurais moyen de montrer des trucs assez sympas. Hop. Donc je sais pas, honnêtement, je sais même pas si la Pokérace, je vais le faire sur celui-là. Je pense que la Pokérace que je vais organiser. Si je compte. Ça roule. J'aurais aimé faire la Poké Race sur celui-là, après c'est pas forcément je pense l'épisode le plus intéressant pour une Poké Race parce qu'il est un peu long à lancer. Peut-être sur Ruby et Saphir, ça serait peut-être plus adapté. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Allez, hop. Ah merde, Parpaing est mort. Non, Parpaing. Heureusement qu'on n'est pas en Nuzlocke. Allez, crame saloperie. Hop, nickel. Je vais redescendre soigner Parpaing pour pouvoir continuer le peg sur le chemin. Je vais perdre un peu de temps, mais ça va valoir le coup derrière parce que j'ai absolument pas envie de m'amuser à faire des allers-retours dans les autres herbes pour farmer Parpaing. Hop. Un autre abricot, grave. Je voulais le consolider avec du ciment prompt, mais il va avoir du mal à voler. Bonjour madame.
Fais du café. Mais j'aimais beaucoup, moi, dans Johto, le fait de pouvoir retourner à Kanto une fois l'aventure terminée. Je trouve que ça, déjà, ça offrait une durée de vie qui était colossale. Mais ça offrait toujours un petit plus. Dans celui-là, je sais même pas si je peux retourner à Kanto. J'ai quasiment pas joué à Soul Silver. Allez, Parpin! Youp, youp, youp. J'adore comme il bat des ailes. Il dirait une grosse dinde. Hop, allez, casse-toi, toi. Ah, je peux retourner à Kanto dans celui-là. Ah, ça, c'est grave cool. Ah, il va... Je l'ai tanné déjà, je m'en rappelle plus. Oh, bon, on va remonter gentiment. Bonjour, madame. Bonjour, madame, je vais te niquer ta... Hop, dans un truc de Pokémon insecte, juste parfait pour farmer ou tout, hein. Scout Jean-Raoul! Force à toi, Scout Jean-Raoul. Tu aurais dû rester dans ta tente, Scout Jean-Raoul. Je connais Fifi. Fildrong et l'aventure de Bitambois. J'adore Fildrong, c'est lui qui m'a donné envie de me mettre à la strat. C'est après avoir vu ces lives que j'ai farmé top 100 sur Showdown et je l'ai croisé en leader. Je l'ai croisé deux fois en leader, je crois, et je l'ai battu les deux fois. Mais les deux fois, je sais pas s'il était en live ou pas, mais les deux fois que je l'ai croisé en leader, c'était caca quoi. Il a fait n'importe quoi. Enfin, il a fait des misplays un peu. Il a fait des très mauvais swaps et ça me paraissait bizarre venant de lui, donc je me demande s'il n'y avait pas une histoire de live ou de fatigue, j'en sais rien, mais... Après, j'avais pas mal de luck aussi, j'ai fait des sales critiques. Mais... Non, Fildrong très très bon, hein. Si vous connaissez pas Jean Gauthier, allez voir. Hein. Fildrong, c'est la vie. Hein. C'est un... Enfin... La seule erreur qu'il a fait pour moi, c'est Pokémon Trash en fait. Parce que. Il valait tellement mieux. Tellement mieux que Trash. C'est. Pour moi, Fildrong, c'est. Il aime les mamans graves. Pour moi, Fildrong, c'est un des mecs que j'aimerais voir réussir en indépendant. Parce qu'il a clairement le talent pour réussir en indépendant. Et il devrait pas dépendre comme ça d'un pseudo groupe. Hop, on va Sony Parpin. C'est toujours un peu chiant les débuts de cartou, débuts de jeu comme ça à farmer un peu ce qu'on a. Hop, Michel. L'entre-noir. Donc là, il nous parle de l'entre-noir. Il nous dit qu'on aurait besoin. C'est live, c'est la vie. C'est live, c'est la vie. Après, c'est grave. Et c'est pour ça que je te dis que j'étais étonné de le battre. Dans le sens où je pensais vraiment pas qu'il allait faire des misplays pareils quoi. Après, l'avantage que j'avais eu, c'est que j'avais fait. C'est une période où j'avais beaucoup joué. Et j'avais beaucoup joué sur version cartouche pour faire des essais sur des trucs. Et je peux choper des insolourdos si t'es chaud. Ouais, alors. Insolourdos. Mais disons, on aura flash après, on pourra aller faire un tour. Je sais pas s'ils ont rajouté autre chose que des insolourdos, mais. Dans celui-là, mais. J'espère, sinon ça rend la zone un peu beaucoup moins viable. Hop, après un petit debuff. Chose qui ne font pas dans celui-là, et qui font dans Crystal, que je trouve absolument affreux, c'est le spam de baisse de précision. Je me suis pris des roues cool à jet de sable infini, là, quand j'essayais de pex mon Fantominus sur ma version console. Et c'est juste trop chiant quoi. Ouais, mais même tu vois Machoke, je déteste. Enfin, c'est un de ceux sur la première génération. La première génération, j'ai vraiment du mal avec la plupart des Pokémon. Et Machoke, franchement, je déteste quoi. Ah, il va me casser les couilles avec sa sécrétion. Hop. Et surtout que j'ai du mal avec ses évolutions. Enfin, même Mac Cogneur, je trouve pas forcément stylé. Hop, allez, défense des mamans.
Mais je ferai sûrement le live sur la Poké Race quand on la fera avec les copains. Là, c'est vraiment chill. Pas Nunchuck, ok, bah de toute façon, ça allait pas changer grand chose, j'avais pas essayé d'en choper un. Si j'en chopais un, c'était vraiment que pour la collection et c'est tout quoi. Hop. Parpaing monte au niveau 5. Hypnose. Le move pool de début de août, mais qu'est-ce qu'il est long. C'est vraiment, on va faire de la charge et de l'hypnose quoi. Tout ça, la vitesse d'un putain de camion Ben. Hypnose qui rate. Tant que t'as pas de pic, c'est très long. Ouais, bah grave. Mais c'est pour ça que je veux le farmer avant la tour machin. Là. Parce que je vais te sentir le temps super long. Y a pas de. Comment ça s'appelle? De CT vol avant. Un truc que je me pose comme question, je n'ai pas croisé de Fouinette encore. Alors que dans mes souvenirs, on en croisait beaucoup sur les versions console. Est-ce qu'ils ont modifié ça? Est-ce que c'est une exclu? Je ne sais pas. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Ça me paraît étrange, je n'ai pas croisé de Fouinette déjà pour l'instant. Tac. Ça, on s'en tartine. Alors, à ce que j'ai lu, dans. Comme si vous voyez, c'est le matin de bonheur. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Grave chiant. Je peux obtenir un Stylix auprès carrément de Jasmine. Mais c'est loin et j'aimerais pouvoir me servir mon Stylix avant. Donc je vais le. Je vais le coquer bloquer. Un truc qui arrange pas mal, Fifi, c'est le fait qu'il y a une webcam. Faut que j'investisse à l'occasion. Et avec un micro-pied aussi. Il faut que je fasse mes lives plus tôt. Pas une heure où je suis déjà fatigué. Hop, allez, Parpaing. Alors, on va utiliser la bonne vieille technique du PL. C'est comme j'ai la flemme de le soigner, je vais faire revenir mon Irisandre. Allez, casse des mers. Bah, en fait, la webcam, ça fait que quand tu commences à fatiguer et que tu parles un peu moins, les gens peuvent te voir et voir que t'es encore là, quoi. Ou si tu regardes ton écran de téléphone, un truc comme ça. Ouais, je sais que c'est niveau 9, mais niveau 9, il est loin, frère, il est loin. Allez, Scoot Francis, rentre chez ta mère. Pourquoi tu me dis je t'aime? Mais dis pas ça. T'es malsain. Et une Pokéball, ouais, ça me rembourse celle de Parpaing. Oh. Ratata pour l'XP. Pour l'XP, on va lui casser les deux genoux. Je sais pas si je farme le niveau 9 avant la tour chez Tiflore, ou si je profite de la tour chez Tiflore pour farmer le niveau 9. Je sais pas ce que c'est le plus rentable. Dans tous les cas, il faut que je le fasse avant l'arène. Puisque l'arène vole, c'est pas Oud qui va la faire. Donc faut que j'arrive avec un. Enfin, il faut que je le farme avant. Sinon, ça veut dire farmer Oud. Comme ça, là, en rappelant Hérissant toutes les 4 secondes, et c'est long. Je perds pas mal de temps à faire ça. Là, j'aimerais bien pouvoir le soigner. Pour qu'il commence à farmer un peu tout seul. C'est le problème que je vais avoir avec Spectrum aussi, c'est que Spectrum il va galérer à farmer tout seul. Il va farmer un coup de l'échouille au début, ça va être. Ça va être long. On va soigner Parpaing. C'est vrai que j'ai plein de potions parce que j'ai vraiment la flemme d'aller au centre Pokémon qui est à côté. Le truc qu'il faudrait que je monte, c'est quand on a Arceus en premier Pokémon et qu'on a un putain d'Arceus qui nous suit dans la rue. De la manière la plus tranquille possible. Allez, Parpaing, tu peux le faire. Je me suis crevé dès le début de la soirée. Je sais pas ce que j'ai, mec, je suis fatigué. Je ne sais pas. Après, il a fait grave chaud.
et je suis un peu comme les marmottes, genre j'ai du problème avec la chaleur. Genre là, rien que la température ambiante me tue. L'été va être très très long. J'aimerais bien avoir ma webcam assez tôt, parce que là je suis en train de travailler sur deux Game Boy Color que je vais convertir en écran LCD couleur. J'aimerais bien pouvoir les montrer. Par contre, il me motive pas, grave. Il a un pic-pic là, on ferait du café. Là, il a commencé à prendre quelques niveaux d'avance par rapport au niveau des locaux, donc ça va pas. Enfin, ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Hop. Faudrait que j'arrive à désactiver la musique du jeu, mais en gardant les effets pour pouvoir mettre une musique. D'habitude, dans mes lives, je mets de la musique. Mais là, je suis obligé de me taper la musique du jeu parce que j'ai pas réussi à la virer. Enfin, en fait, je vais garder les effets, quoi. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si je peux aller moins de bidouiller. Peut-être en bidouillant la ROM directement. Mais dans tous les cas, normalement, j'aurais fini les deux Game Boy pour Japan Expo. Donc, ceux qui seront à Japan Expo verront les deux Game Boy terminés. Et si vous voulez, on sait jamais. Yeah, un Chetiflore! Ah, ça, c'est trop cool! Parce que du coup, j'aurais de quoi échanger contre Onyx. En vrai, j'aurais presque pu faire un Ampiflore, mais. Et c'est une femelle, donc non. Team misogyne. Ouais, s'il y en a que ça intéresse d'avoir une Game Boy full custom, je les ferai au prix coûtant. Faut le buffer en fait un parpaing clouté. Grave. Ah, il va canner là. Oh, il est en vie. Il est en vie, parpaing. He will survive. Hop, je vais essayer de pas le tuer. Parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Ça, j'aurais mon Onyx gratos. Parce que de mémoire, je sais même pas si on peut capturer des Onyx dans celui-là de façon traditionnelle. Je vais essayer de lui mettre une charge, mais j'ai peur de le défoncer, quoi. Je vais soigner Parpaing. Je pourrais rappeler Parpaing, faire une charge safe pour affaiblir le Chetiflore. Je sais pas s'il y a moyen de choper des Onyx de façon viable. Hors échange, donc. Je vais voir ce que ça donne. Je vais regarder d'ailleurs. Onyx. Earth Gold. Oh merde! Oups! J'ai pas appuyé sur le bouton. Ah si, il y a moyen de le choper plus loin! Earth Gold, les 4 jumelles, la route 47. Oh bah oui, bah on le chopera plus loin. Sinon, ça veut dire que je le pexe aussi. Bah nickel. Bien fait de lui défoncer sa mère, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a ce coup-là? Ouais, Parpaing contre Parpaing, combat de briques. Parpaing, go! Parpaing, hypnose. Ah bah non. Ah bah si! Parce que si je dis pas de bêtises. Ah non, bah non, ils ont. Sur cristal, ça marchait! Sur ce. Ouais, il a insomnia. Sur cristal à l'époque ça marchait parce qu'ils avaient pas d'attaque, ils avaient pas de capacité spéciale. Sur celui-là ils les ont déjà. Pas moyen de cheat. Et chier. Il a révélé Parpaing. Oh, j'ai tout de suite appelé Hérissandre. Hérissandre, transforme-le en bucket. J'aurais pu l'appeler Pétatar comme dans le manga. Oh ta mère. Ah oh. Tellement relou. Alors, est-ce que j'ai rien, que dalle, forcément. C'est pas un statut, j'ai un antidote. C'est la merde. Allez, Hérissandre, réveille-toi. Tu peux le faire, Hérissandre. Tu peux te réveiller, Hérissandre. Je crois en toi. Hérissandre, tu me casses les couilles. Allez, Hérissandre. Putain, quel schlag! Je vais me faire debuff par l'autre tarde en plus. Allez, Hérissandre, quelle nuit sa race! Allez, hypnose de deuxième tour. Oh là là, mais 14 heures pour battre un out-out. Qui a même pas l'air d'avoir charge en plus. Out-out spam hypnose. Allez, Hérissandre, clairvoyance. Out-out sauvage, identifie qu'il va mourir.
Rissand se réveille. Hout sauvage devient Bucket de KFC. Allez hop, coup critique. Mange tes morts. Bon, on va les soigner. Oh là là. Est-ce que je peux aller. Oh là là, encore. Hein. Je vais pas le faire, je vais pas de combat. Donc je vais le soigner, mais de tard avant. Déjà, si Parpaing survit à la rando jusqu'au centre Pokémon. Oh là non, pas elle. Ah, c'est pas le moment, toi. Magneto VS. Ah, on a la... Oui, d'accord. J'aime pas qu'on ait le Magneto VS dans celui-là. Ok. Ouais, nickel. J'ai eu tellement peur de devoir l'affronter maintenant. Avec mes ruines. Ah. Non, Parpaing a survécu. Ouais. Deuxième guérison spontanée de Parpaing. On l'appelle le survivant. Parpaing. Survivant de l'enfer, Parpaing. Souvent croise le fer, Parpaing. Hop, on va retourner sur un Parpaing. Hop. C'est dans cette ville qu'on me proposait l'échange avec le chétif lore. En soi, c'est un peu con. Dans le sens où on te propose de choper. Ah merde, mais voir qu'ils sont tout seuls. On te propose de choper un Pokémon Roche contre pour une arène vol. Je ne vois pas trop l'intérêt de se casser le cul à choper un Onix pour ça, quoi. C'est, il a juste une chance sur deux de se faire arracher. Allez, Parpaing. Parpaing niveau 9. Ton objectif de vie. Tu pourras mourir en paix une fois que ce sera fait. On va voir l'hypnose, lui. Ouais, nickel, il rate son attaque. Parfait. Ça manquait à ma journée. Allez, hypnose, j'ai dit. Bien, c'est que pour l'endormir, ça va me coûter mid-life, quoi. Ah, mais sérieux, quoi. Le unlock. Au final, les quiches, ça marche bien. Merde, je me suis trompé, je voulais pas faire ça. Je voulais qu'ils mettent des marrons. Allez. Nickel. Ah, oh, le niveau 7 qui est tellement... qui est so close, mais so close, quoi. On va soigner Parpaing. Tu seras une brique de compétition, mon fils. Le sacro-saint moellon. Un out. Oh, j'ai presque cru qu'il était shiny pendant 2 secondes. Colorimétrie un peu claire, là. Ah, et pas moyen, tu m'hypnoses. Pas moyen. Oh, le combat de débile. Allez, combat de tarde. En fait, j'ai en train de me dire un truc, c'est je crois qu'il a pas charge, le mec d'en face. Je crois que c'est un out bâtard où il y a que hypnose. Ce qui est la pire chose sur laquelle on peut tomber. Parce que va XP un Pokémon qui a pas de capacité offensive, kiff. Va XP sans rien d'autre, un co-confort avec armure, kiff bien. Passe une bonne journée. Allez, arrête de me rugir. Je vais casser les dents une bonne fois pour toutes, là. Bon, allez. Oh. Pfff, absence de dégâts. Nickel, ça passe. Allez, niveau 7. On approche doucement du niveau 9. Parpaing monte au niveau 7. Et devient une brique adolescente. Chétif lore. Je profiterai du power save pour renommer Erisandre et réparer mes bêtises. Hop, là il va commencer à être autonome un petit peu. Là c'est la phase de farming
où normalement, merde, je fais tomber ma bouteille d'eau, où ça accélère et c'est propre quoi. Puis j'ai un peu moins l'impression de perdre ma vie. Ratata, Pokémon sac à merde. Elle me bourrer les vies d'attaque de toute façon. Je m'attendais pas qu'il fasse aussi mal. C'est vrai que j'ai des stats pourries avec ce truc. Non, pas clairvoyance. Pourquoi j'ai mis ce clic? Ah bah lui il a pas mis ce clic. Allez, charge. Hop. Normalement sur l'arène, tu peux bêtise, mon Iricent devrait évoluer. Oh bah je sais comment je vais l'appeler mon Furisson, je vais l'appeler Robert. Robert Furisson, comme le négationniste. Il sera parfait. Il sera parfait et illégal. Hop. Alors je me dis, il va falloir que je fasse la même phase pourrie pour choper le Fantominus derrière. J'ai presque envie de pleurer. Allez. Puis attaque. Allez. Ah, ça commence à ralentir l'XP là, c'est moins drôle. Je pense que je vais passer le niveau 8 et après j'irai à la tour chez Tiflor et pas. Waouh, mon écran qui a fait s'envoler. Et je passerai mon niveau 9 sur la tour chez Tiflor parce que sinon ça va être très chiant pour vous et très chiant pour moi. C'est du ratata à la pelle, ça va me fatiguer au bout de 5 minutes. Nickel, on a le niveau 8. Par rapport à un prix un peu des stats quand même, on va pas se mentir. De toute façon, dans la tour, honnêtement, on va pas croiser grand chose d'intéressant outre mesure. On va soigner Parpaing. Hop. Hop. Merci madame, au revoir madame. On va aller directement à la tour chez Tiflor. Bonjour. Qu'est-ce que c'est là déjà? L'académie, ouais, c'est super chiant. On va aller directement à la tour. J'aime beaucoup le côté graphique de Mauville avec bon avec du mauve hein, forcément, mais avec ses petites lanternes, même la tour comme ça avec les toits en escalier, je trouve ça magnifique. Ah, on peut combattre la vieille? Mamie! Non. Toi, non plus? Toi? Ouais oui, non? Les gens? Vous êtes tous chauves! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ok, lui il se combat. Nickel. On va pouvoir commencer à se fabriquer un parpaing de guerre. Chitiflore, nickel. Ça, c'est parfait comme petit menu frottin. Hein. Comme d'habitude, on XP toujours plus vite en combat qu'en luttant des Pokémon sauvages. Toujours rentable. Hop. Allez, meurs. Du coup, non, je pense que je ferai pas d'Ectoplasma. J'ai vraiment la flemme de me faire un Fantominus et je pense que son utilité elle va être très très limitée. Du coup, je ne sais pas ce que je vais farmer après Parpaing. Est-ce que je pars directement sur Marest? Est-ce que je prends un... Parce que pour l'instant, ça va faire quoi? Ça va faire Out Marest, enfin Norfang Marest Helix. Il me restera deux places. J'aurai déjà un Pokémon haut.
pense que je ferai un Dracolos. On verra s'il y a un truc qui me plaît en chemin. S'il y a un truc qui me saute aux yeux et qui me paraît nécessaire, peut-être que je le prendrai. Hop, on farme gentiment. Ah, oh, rate son attaque. Je bouffe un petit peu, mais rien de bien grave. Ah, nickel, j'ai quand même presque pris un level sur ça. Une partie des frics est envoyée à maman. Hop, on redescend. Hop. Le deuxième moine. Ça, c'est un passage dans le manga dont je me souviens plus. La tour Chétiflore. Oui, il y a un truc comme quoi quand Gold arrive, elle a déjà été poncée par Silver. Mais je suis pas certain. Faudrait que je relise le passage. Hop, on va lui casser les dents. Parpaing niveau 9! Ouais, GG Parpaing! Parpaing est officiellement un Uber. Ça va commencer à être beaucoup plus agréable d'un coup. Ah, les petites baffes, ça fait plaisir! Super efficace, ça fait très très plaisir! Par contre, j'hésite à repasser sur Erisandre. Du fait que je vais devoir taper l'arène quasiment avec que lui. Ouais, je vais faire ça, je vais repasser Erisandre premier de l'équipe. Hop, on va aller. Non, pas Pokédex. Pokémon. Alors, hop là, magie. On continue de monter. Alors, le but de la tour Chétiflore, c'est que la tour, c'est censé être un lieu d'entraînement pour les dresseurs. Où ils peuvent venir se confronter aux moines. Et dans le lore, un dresseur qui arrive en haut de la tour reçoit une récompense. C'est comme ça que ça a été fait. Alors, sage brillant. Bon bah y a pas à attendre, il prend un level direct. On va viser le niveau 14 de toute façon pour l'évolution et forcément du coup l'augmentation de stats. Allez. Hop, cramer sa sœur. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir comme truc sauvage? La Fantominus, j'en parlais tout à l'heure. J'ai la flemme de le capturer. Après, s'il survient ma flamèche, j'essaierai de le prendre quand même pour la collection. Ouais, voilà. Ouais. Problème est réglé par lui-même. Il est mort. Hop, et là, normalement, on arrive au dernier étage. Merde, c'est avec les échelles, marche comme ça. Alors, on va aller tout de suite prendre la potion.
Non, il y a une courte sortie en haut à droite qu'il faut que j'aille chercher aussi. Ah, je vais juste changer mes contrôles de seconde parce que pour jouer une main ce serait quand même plus facile. Hop, hop. C'est bien, ça fait du pack gratuit. Je pense que ça va prendre. Bouffe mal échoui. Et bah, il est sauvage lui. Bah, il va pas le rester. Hop, on va investir. Ah, je vais galérer maintenant. Hop. Allez, c'est nickel, c'est dans la boîte. Après, je pense pas qu'on s'en sert beaucoup, mais... Disons que ça fait plaisir au professeur Orb de voir que je fais quelque chose de son Pokédex adoré. On va pas utiliser de potion, par contre on va utiliser d'antipara. Parce que la paralysie, il y a moyen qu'elle me casse la tête. Donc là voilà, va falloir qu'on affronte 3 moines pour arriver au chef des moines. Il va me demander de lui prouver l'amitié que j'ai avec une Pokémon. Qui signifie de lui mettre une tôle. Puis tous ces abrusis, ils ont des chétiflores. J'ai le hérissant qui est là pour faire un incendie. Hop. Ah oh ouais, 108 d'XP par contre, y'a rien à voir quoi. Hop. On continue, on passe à celui d'après. Alors bah lui bah comme tout le monde il a que des chétiflores. La tour chétiflore c'est vraiment juste l'introduction pour l'arène quoi. Et ils te disent clairement ton starter est trop faible, va en faire une machine et reviens quoi. Là, c'est vraiment vraiment gratuit. On voit juste on va percevoir Silver en haut là. Lui pareil, je pense pas que la tour seule suffise à me faire évoluer, mais... Bah disons que c'est pour bientôt quoi. Je pense que d'ici la fin de l'arène... j'ai un furisson niveau 15. Et je peux espérer pas loin avoir un... comment ça s'appelle ? Un Noirfang d'ici la deuxième arène, je pense. Après, encore une fois, on n'est pas sur Mind Crystal, hein, c'est... On reste sur un jeu qui est quand même beaucoup plus simple qu'un fan-made. Notons l'originalité, il a un out-out, lui. Le mec a su se diversifier. Hop. On va prendre le Vive Attack, on va se débarrasser de gros yeux. De brouillard, pardon. Peut toujours être intéressant pour faire du finisher pour éviter de prendre des dégâts quand on farm. Ah, encore un sauvage. Fantominus, on va pas s'en morder, on va pas le combattre. Je vois pas la finalité de s'embêter avec. Donc là on arrive après la victoire de Silver. Ah, il lui donne une CT. Parce que dans Crystal, c'est normalement c'est la CS Flash qu'on récupère ici. Hop, on a une corde sortie là-haut. On va aller chercher tout de suite, avant que je l'oublie.
Alors encore, c'est quoi, c'est encore 20 minutes, on va pas changer hein. Hop. Et le dernier défi de la tour chez Tiflor. Ça va pas être un gros défi normalement, hein, mais... Hop, ancien Jehan. Ah, remarque, s'il en a 3. Si, je vais peut-être pouvoir évoluer là-dessus. Hop, ah, je vais carrément évoluer là-dessus même. On va juste cramer tout le monde. Oh non, pas l'hypnose. Relou l'hypnose. Allez, 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 ça passe. Je peux éviter de mourir, ça m'arrange par contre. Là, j'ai peur de... Bah... Oh là là. Ouh, c'était pas encore la fin, ce n'est pas encore la fin. Ça passe. Ça passe pour Orisandre. C'est un chétiflor, donc je vais prendre le risque de lui pougner sa tête. Normalement ça passe. J'ai le double de son level donc normalement ça va quoi. Et du coup on va profiter de la belle évolution de Elisandre. Hop. Mais que se passe-t-il? Nickel. On va pouvoir récupérer l'augmentation de stats juste avant l'arène. Maintenant il a plus le feu au dos, il a le feu à la tête et au cul. Parfait. Bon, là, il va nous faire un petit speech. Et... Ah, oui, bah, il c'est... Je suis con. Là, j'ai donné une CT. Hop. J'ai du mal, des fois, à me rappeler quelles mises à jour ont été faites à quel moment. Hop. On va s'emmerder. La corde sortie pour retourner dehors. On va gentiment aller soigner tout ce petit monde. On va se mesurer à l'arène de Mauville. Normalement, l'arène de Mauville, c'est quoi? C'est deux dresseurs, un mètre d'arène, c'est que du vol. Normalement, zéro problème, zéro difficulté. Vous voulez vous soigner, bien sûr. Hop. Là, c'est nickel. Après la première arène, on ira faire un tour dans les ruines alpha. C'est pas essentiel, mais je veux voir que point comment ils les ont refaites, et surtout dans les ruines alpha, dans celui-là, avec le Arceus Michigan, comme ça. On peut avoir une grosse animation avec naissance dans les jardins, etc. Ah, elle a plus rien. Ils ont juste surélevé le. Ah, mais ta sœur. Voilà. Ils ont juste surélevé la reine. Qu'est-ce que tu l'es ? Hop. Alors, il m'envoie quoi ? Piaf avec. Robert Ferrisson. Flamèche. Ouais, c'est juste du pougnage en règle. Nickel.
Sérieux, c'est déjà disponible les trucs pour cheat là? Parce qu'on peut éviter les combats, aller directement contre le dresseur, mais pour moi c'est... Ces combats d'arène, ça représente trop d'XP en fait. C'est la vie, il faut les faire. Hop. Lui il a Roucoule, il aura sûrement Hoot-Hoot. Comme ça on aura vu les 3 Pokémon vol. Les 3 oiseaux... Kanto Johto. Alors je suis assez content, on n'a pas croisé... de mémoire. On n'a pas croisé de Pokémon de Hoenn et ni de Pokémon de Sinnoh. Donc j'ai vraiment l'impression de jouer à Or, quoi. C'est vraiment vraiment agréable. Hop. On va prendre le niveau 15. Sinon je pense qu'on arrivera à choper le niveau 16 sur l'arène. Il me semble pas insurmontable. On arrive à Albert, et là la question que je me pose c'est est-ce que Albert aura l'équipe qu'il est censé avoir dans le manga. Parce que dans le manga, Gold aide Albert à attraper Hermur. Hermur qui n'est pas identifié, c'est un nouveau Pokémon dans le manga. C'est-à-dire que à ce moment-là, pour eux, c'est un Pokémon qui est inconnu. Donc la question c'est est-ce qu'il aura que son Roucoule et un pièce avec ou est-ce qu'il aura le sacro-saint Hermur? Oh, il aura que deux Roucoups. Ah, c'est vraiment. Il aura un Roucoups. C'est vraiment ultra décevant, quoi. Le vent m'emporte sur ses ailes. Mon cul, ouais. Ah, il y a un peu plus de level. C'est là qu'on voit qu'au final, même si ça peut paraître superflu, le niveau 15 de Ferrisson, bah, il sert parce qu'on a quand même un Roucoups niveau 13. Roucoups qui se soigne avec atterrissage en plus. Franchement, pour quelqu'un qui est pas préparé, ça peut faire un peu bizarre quand même. Après, c'est que la première arène, les autres, ce sera des vacances. Après, s'ils spamment le sang, ça va être très très chiant. Allez. Nickel. Et voilà. Et donc, c'est avec ceci que nous obtenons notre premier badge. Alors, je sais plus lequel c'est. Peut-être pas plume ou une connerie dans le genre. Ah, tac. Le badge Zephyr. Et que normalement, du coup, c'est avec le Hermur de Gold, enfin, qu'il a attrapé avec Gold, que Albert passe le test pour devenir champion d'arène. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas cette continuité et qu'il n'ait pas Hermur, mais bon. Franchement, c'est de l'ordre du détail. Hop, on va ressortir. J'ai pas trop envie de me taper les S. On va faire le tour. Hop, on va redescendre. Et là, normalement, on va se faire AP. Nickel. Et là, le professeur Orme, exactement comme dans les versions rétro. Le professeur Orme nous dit qu'il veut nous confier l'œuf, etc. Il faut qu'on ait son assistant au son de Pokémon. C'est ce qu'on va faire. Hop. Tac. Son assistant. Je suppose que c'est le monsieur qui est là. C'est pas lui. Je vois trop le quoi, il est où? Oh bah tiens, je vais te faire une réponse, toi. Comment je te trouve? Hoot-Hoot Colisée. Voilà. T'as gagné ta journée, connard? Qu'est-ce que je pense de ton style? Mimigal. Mimigal amusement. Ah, kiffe bien. Comment le mec peut faire ça avec ce que je lui donne, quoi?
Est-ce que je me suis trompé? Le classiston est dans la ville d'après? D'avant? Ça me paraît bizarre. Dans le rétro, il était dans le... Bah, il était directement à côté, quoi. On va faire ça, hein. Je vais redescendre en 2-2 à la ville avant, et... Oh, le beau bug graphique! Oh! Oh, il est parti, le bug graphique. C'est dommage, ça. C'est stylé. Est-ce qu'on aurait pas un petit shiny? Non. Dommage. Alors moi je ramène Parpaing devant. Je vais pouvoir le pex un peu. Hop là, on va pouvoir sauter les petits murets pour avoir le chemin rapide. Hop. Bon, on va pouvoir... Ah non. Muret. On va pouvoir avoir la réponse à ma question du coup. Est-ce que le gars m'attend ici? C'est même probable hein, qu'il m'attende ici. Bon bah je sais pas où il est. Sur ce, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode de Earth Gold. On fera toute la suite jusqu'au quatrième badge jeudi. Donc merci d'avoir suivi cette session. Si vous voulez pas rater les prochains lives, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait et me suivre. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, c'était Nox, à la prochaine.